Plutôt discret depuis son annonce, Flintlock, The Siege of Dawn a pourtant fait un petit peu de bruit en juin avec son dernier trailer. Il s'agit d'un action RPG en monde ouvert avec quelques influences des Souls. On a désormais assez d'informations pour vous proposer une vidéo dédiée à son sujet, et c'est parti pour une petite présentation avec cet AG Summer. Avant de poursuivre, sachez que c'est développé par le studio qu'on connaît pour le sympathique HN. Il s'agit d'un studio indépendant qui a été fondé en 2013 avec une cinquantaine d'employés. Flintlock est leur deuxième jeu, et avec celui-ci, ils ont un petit peu grimpé dans les ambitions. Dans Flintlock, The Siege of Dawn, place un univers plutôt fantasy, où la magie va rencontrer les armes à feu. On va y incarner une dénommée Norvanek, une guerrière qui est membre de la Coalition, et qui sera accompagnée par une petite créature magique. Celle-ci s'appelle Enki, et va nous suivre tout au long de l'aventure. Notre personnage est alors chargé de faire face aux dieux qui menacent le monde. On nous explique que la porte de l'au-delà a été ouverte et que les anciens dieux nous envoient des légions d'ennemis, des morts-vivants et d'autres créatures qui arrivent et qui détruisent notre monde. La raison, eh bien les dieux ne sont pas très contents que l'humanité expérimente la poudre à canon. Certains survivants ont alors formé une coalition dont on fait partie, et l'objectif sera d'arriver à la cité de l'aube, une sorte de bastion, où il faudra fermer la porte de l'au-delà pour empêcher les ennemis d'affluer. On est un petit peu le dernier espoir pour sauver l'humanité et faire face aux dieux. Le tout est saupoudré d'un petit peu de vengeance, puisque les dieux ont notamment tué notre père. Côté gameplay, on est sur de l'action RPG. Il y aura un scénario à suivre, des quêtes à réaliser, une progression pour le personnage, des combats et de l'exploration. Pour l'instant, ça a l'air assez classique dans les grandes lignes, mais on peut y voir une certaine identité dans l'approche. Les affrontements, par exemple, vont proposer un mélange entre la magie et la poudre. On pourra être au corps à corps avec notre hache, mais aussi à distance, avec des fusils un petit peu d'époque. Les pistolets ont apparemment été créés il n'y a pas très longtemps, et il semblerait que la poudre ne serve pas qu'à attaquer directement. Dans un trailer, à un moment, quand notre personnage va se battre contre un boss, qui est sans doute un dieu, on peut voir qu'elle utilise la poudre pour créer une mini-explosion et esquiver une vague d'énergie. Il y aura bien une esquive traditionnelle, mais il semblerait qu'on peut aussi utiliser la poudre pour faire une sorte de dash. Elle l'utilise aussi contre d'autres ennemis, et ça lui permet de faire un salto arrière. Ça signifie que pendant les combats, le pistolet ne sera pas seulement utilisé pour attaquer, mais aussi pour esquiver et mettre de la distance entre Nord et l'ennemi. Enki, notre compagnon magique, va aussi être d'une grande aide, puisqu'il pourra utiliser la magie. À en croire les images de gameplay, il pourra utiliser plusieurs capacités en attaquant directement ou en immobilisant l'adversaire. D'ailleurs, en parlant d'Enki, celui-ci semble avoir une vraie place dans le gameplay, puisqu'en plus d'être un compagnon de route et d'être une aide pendant les affrontements, il va aussi nous aider pendant l'exploration. Dans les vidéos, c'est assez rapide, mais on peut voir à deux reprises qu'il permet de s'élancer et de planer en passant par des triangles jaunes. Ça rajoutera probablement un petit peu de dynamisme et de verticalité à l'exploration. Et ces triangles, on peut aussi les voir pendant les combats, quand Enki se téléporte. Bien sûr, vu l'histoire, on va aussi croiser les dieux. Il n'y en aura pas beaucoup, étant donné que les développeurs veulent faire en sorte que chaque rencontre soit spéciale, et quand on va en voir un, on va vite le comprendre. Ils vont être particulièrement imposants, ce qui sous-entend que contre eux, on aura des affrontements musclés. Ce seront les moments les plus difficiles, probablement considérés comme les gros combats de boss, et le bestiaire a l'air relativement riche. Squelettes, humains, mais aussi des animaux et des créatures avec de gros piafs, des araignées, et on a même vu un sorte de crabe géant. Maintenant, qui dit RPG, dit bien sûr système de progression. Il y aura un système de compétences divisé en trois branches, la poudre, l'acier et la magie. La première catégorie va augmenter vos armes à feu, la seconde vos dégâts au corps à corps, et la troisième, ce sera vos dégâts magiques. Faudra glaner de l'expérience avec un système de niveau, et les talents vont permettre de débloquer des capacités passives ou actives. Par exemple, on pourra obtenir une technique qui permet de faire une attaque plongée, de rendre vulnérables les ennemis, augmenter vos dégâts de hache, etc. etc. Pour ce qui est de la progression, le jeu sera un monde ouvert, donc on pourra aller un petit peu partout. Il y aura plusieurs environnements, et on a déjà pu apercevoir de vastes contrées plutôt désertiques, des grottes, des montagnes, des villes et des châteaux à explorer. Ceci dit, malgré son étiquette de monde ouvert, ça va être divisé en trois grandes zones qui auront leur propre style et leur propre architecture. D'ailleurs, pour certains environnements, les développeurs ont expliqué vouloir immerger les joueurs dans des panoramas qui sont inspirés de la Nouvelle-Zélande, là où est basé le studio. Il y aura donc des influences locales dans la flore, la géographie, et on pourra par exemple croiser des Pukeko ou des Moa, des volatiles qui existent ou qui existaient là-bas. Pour voyager dans le monde ouvert, il y aura un système de feu de camp à débloquer. Ça permet d'avoir un mini camping, et quand on allume un feu de camp, votre équipe va arriver avec ses caravanes et vont s'installer autour de vous. Voilà, maintenant, vous connaissez les grandes lignes de ce Flintlock, The Siege of Dawn. Un action RPG en monde ouvert qui va mélanger poudre et magie, et qui a tout de même l'air d'être ambitieux.
Maintenant, faut espérer que ce ne soit pas trop ambitieux, puisque ça reste un studio qui n'est pas si gros que ça, et qui se lance tout de même dans un open world qui a l'air d'avoir pas mal de choses à nous dire. Derek Bradley, le patron du studio, avait tout de même déclaré que l'objectif n'était pas de proposer un millier de quêtes qui s'accumulent dans notre journal, mais plutôt de se focaliser sur la qualité et la narration environnementale. On imagine donc qu'il n'y aura pas trop de quêtes annexes à faire. Pour voir tout ça, il faudra attendre la sortie qui est fixée à l'année prochaine. Pour l'instant, c'est prévu pour début 2023 et ce sera disponible sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series S. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera aussi présent dans le Game Pass dès sa sortie. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur Flintlock. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt, éclatez-vous bien et ciao tout le monde!